Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage du logiciel EBPPGI 4.0. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer d'un mois comptable à l'autre concernant la paye. Vous le voyez ici, la paye a été créée sur le mois de janvier. Nous allons passer sur le mois de février pour pouvoir générer après les payes de février. Pour cela, nous allons aller dans Outils et effectuer une clôture périodique. Le logiciel me demande de sauvegarder mon dossier, donc si ça a déjà été fait, je vais passer sur Suivant. Là, je dois sélectionner l'établissement que je veux clôturer. Donc là, je vais cliquer sur Suivant pour garder Ion Équitable. Il m'indique qu'il va réaliser la clôture périodique du mois de janvier de Ion Équitable. Et là, je lance ma clôture. Voilà, l'opération est terminée. Elle s'est même terminée avec succès. Donc, le logiciel réouvre les bases. Pour le moment, nous voyons que nous sommes toujours sur le mois de janvier 2014. Et à un moment donné, donc voilà, il vient de passer sur la paye de février 2014. Donc là, il doit encore générer certains éléments. Et il suffit de faire fermer. Et à partir de là, nous pouvons recommencer le travail de génération de la paye de février, c'est-à-dire inclure les heures supplémentaires, etc. Voilà, j'en ai terminé pour cette leçon et vous donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.